Salut tout le monde, c'est Adrital. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite visite des Jeux Olympiques de Tokyo 2020 qui ont lieu du 23 juillet au 8 août. Alors, on va commencer par les catégories, les sports, là où finalement tout prend naissance. Il y a tous les sports présents aux Jeux Olympiques. Alors, les critères de sélection, on n'est pas athlète, nous, donc peut-être pas pour nous, mais voilà. Au moins, comme ça, on a vraiment toutes les catégories, tous les sports présents aux Jeux Olympiques. Alors, il y a l'athlétisme, l'avion, le badminton, le baseball, le basketball. Le basketball 3x3, la boxe, le canoë-kayak, sprint, slalom. Alors, il y a du cyclisme sur piste, BMX freestyle, BMX racing, il y a de VTT, mountain bike, la route. Dans la partie équitation, il y a les concours complets, le dressage, le saut d'obstacle. Il y a aussi l'escalade sportive, l'escrime, le football, le golf. Alors, il y a la gymnastique artistique, rythmique, trampoline. Il y a l'haltérophilie, l'handball, le hockey, le judo, le karaté, la lutte, la natation, marathon, plongeon, synchronisé, waterpolo, moderne, il y a le rugby 7, il y a le skateboard, le surf, taekwondo, tennis, tennis de table, tir, tir à l'arc, triathlon, voile, volleyball et le beach volleyball. Toutes les catégories sont énumérées. On va passer à nos athlètes. Alors ici, ils sont classés par ordre alphabétique. Voilà, on ne les connaît pas bien, on en connaît certains grâce aux grands rendez-vous mondiaux. On n'en parle pas beaucoup au JT, que ce soit sur RTL ou bien sur la Une. Cette vidéo permet justement de se rendre compte de tous nos sélectionnés aux Jeux Olympiques, tous nos Belges fiers de l'être et qui vont courir pour nos couleurs, évidemment, noir, jaune, rouge. Alors, on commence par Alexandre Dom. Il est parti de la discipline de l'athlétisme. Alexandre Hendricks pour le hockey. Alison Van Hoenvaart. Alors, elle est connue grâce au tennis, évidemment, sa discipline. On l'a déjà fait sur les cours, évidemment. Alors, il y a Han pour le bobsleigh. Pour le basketball, Han Waters. Anna pour l'haltérophilie. Anne Zagré en athlétisme. Anouk Gurt en voile. Antoine Kina pour le hockey. Antonia Delair au basketball. Armand Marchand au ski alpin. Arnaud Hart en athlétisme. Arthur de Slover en hockey. Arthur Van Doren pour le hockey. Arthur Peters pour le canoë-kayak sprint. L'Athletics Team 4x400 mètres mixte. Axel pour le skateboard. Axel Klinkerts en gymnastique artistique. Partswing pour le patinage de vitesse. Cette discipline est surprenante. C'est fou d'aller aussi vite, finalement, sur de la glace. Donc reste pas à eux, c'est quelque chose qui doit être éprouvant. Et puis surtout les virages, ils doivent les négocier. C'est toute une technique des pieds. En athlétisme, Bachir Abdi. Il y a le basketball team 3x3 hommes en basketball. Ici, nous avons l'équipe Belgian Bullets, Pyeongchang 2018. Les Belgian Cats, et oui, pour le basketball, il n'y a même pas de mots pour dire à quel point j'étais fier d'aller aux Jeux Olympiques. Le match où elles ont été qualifiées pour les Jeux Olympiques, elles ont explosé de joie, littéralement. Belgian Cheetahs en athlétisme, on a les Belgian Sharks en aviron, les Belgian Tornados en athlétisme, Belgium Women en gymnastique artistique, Ben Brouders en athlétisme, en basketball il y a Billy Massey, Camille Luz en athlétisme, Charline Vasnik en judo, une judoka du coup, gymnastique artistique il y a Charlotte Payne, Claire Michel en triathlon. Le triathlon reprend le cyclisme, la nage et la course à pied. Claire Orcel en athlétisme. Alors, le cyclisme track team Madison, homme en cyclisme sur piste. Cynthia Bolingo Mbongo en athlétisme. Cédric Charlier au hockey. Dieter Kersten en athlétisme. Domien Michels en équitation dressage. Dylan Borley en athlétisme, Eileen Behrings en athlétisme, Elliot Crestan en athlétisme, Elise Mertens au tennis, Elise van der Helst en athlétisme, Elke van Hoof en BMX, Emma Meseman au basketball, Emma Plachart en voile. Donc il y a la dressage team en dressage et il y a la team jumping en équitation sous obstacle. Evie Pou snowboard, Fanny Lecloys en natation. Fanny Smets en athlétisme. Pour le biathlon, il y a ici Florent Claude, Florent Van Nobel en hockey, Félix Denayer en hockey, Gabriel de Coster, canoë et kayak, slalom, Gauthier Bocard. Alors ici j'ai une petite histoire particulière, c'est que
Rita, Mikils, je l'ai déjà rencontré sur le championnat de Belgique à Oufalize de 2019. J'étais sur le bord du circuit à prendre des photos. Et donc, Rita, je l'ai vu passer quelques fois devant moi. Elle est monstrueuse. Elle a dominé la course littéralement en 2019. Hey, Craig Van Avermaet, cyclisme route. Grégory Watley, en équitation, le saut d'obstacle. Grégory Watley, c'est la pointure. Pour tous ceux qui connaissent le jumping de Liège, Grégory Watley, vous le connaissez. Jumping de Liège, Grégory Watley, c'est... ça va de pair. On lui espère un grand succès et qu'il fasse le meilleur. J'espère qu'il s'est bien préparé et que ses chevaux sont au top, que lui aussi est au top. On lui souhaite que le meilleur. Anne Claes en athlétisme. Anne Desmet en short track. Anna Mistak au basketball. En athlétisme, il y a Anne Verbruggen, Hélène Neuwolers au basketball. Pour le canoë-kayak sprint, Hermien Peters, Imke Verwaat en athlétisme, Isaac Kimeli en athlétisme. Je suis désolé, mais sur cette photo, il se fait un peu voler la vedette par le numéro 15. Comment expliquer ses lunettes, ce style, c'est cette coupe de cheveux, cette moustache surtout. Il a tout pour, voler la vedette sur cette photo d'Isaac, mais voilà. Passons. Il aura en voile. Ismaël Debjani en athlétisme. Jana Rahman au basketball, Jaouda Achab en taekwondo, Jarno de Smet en tir à l'arc, Jel Gaines pour le triathlon, Yann Surman a été sélectionné pour le VTT Cross Country. Et donc il représentera nos couleurs sur le circuit VTT XCO, et donc Cross Country Olympique. Bah, on lui souhaite de faire un bon top, d'être le plus haut possible dans le classement, parce qu'on sait très bien que le niveau de VTT mondial, tout le gratin mondial, se retrouve sur ce même circuit des Jeux Olympiques. C'est un niveau très élevé et ça va être une course endiablée, je l'espère. Jérôme Guéry en saut d'obstacle. Jessie Capps pour le tir. Elle a une tenue d'Overwatch. Entre nous. John Domaine pour le hockey. Jolyan Dor pour le cyclisme de piste. Jonathan Borley en athlétisme. Jonathan Sakor en athlétisme. Joran Vliegen en tennis. Jor pour le judo. Julie Allemand au basketball. Julie Van de Velde en cyclisme sur route. Julie Van Loo pour le basketball. Je ne sais pas très bien prononcer ce prénom. Jutta Verkist en gymnastique artistique. Karine Donker en équitation. Concours complet. Kayak Team K2 500 mètres woman. Et j'imagine que le K2 fait référence au deuxième plus haut sommet de la Terre. Kenny de Kettel pour le cyclisme sur piste. Kim pour le basketball. Kim aussi pour le skeleton. Kirsten au tennis. Kun Nart en athlétisme. Kiara au basketball. Kevin Borley. Voilà, on a fait les triplés, c'est bon. Kezia en gymnastique artistique. Lara pour le concours complet. Larissa pour le dressage. Laurent Rose en dressage. Lian Tan au badminton, Liv De en athlétisme, Lisa Wallen en gymnastique artistique, Lise pour le canoë-kayak sprint, en patinage artistique il y a aussi Loena Hendricks, en snowboard, Lauren Smans pour le skateboard, Laure, ici. Oh, elle a été coupée, t'as la photo, elle est coupée, c'est scandaleux, pourquoi? Mais elle est haut, on est d'accord, mais elle est coupée, c'est triste. Pourquoi est-ce qu'ils ont mis cette photo? L'hôte en cyclisme sur route, donc là, il a été sélectionné pour deux disciplines, cyclisme sur route et sur piste. Louis Cronon en natation, Loïc en hockey, Lucie en athlétisme, Malise Brassard en gymnastique artistique, Manon Deroux en golf, Margot en gymnastique artistique, Marjorie Carpréo en basketball, Martin Van Riel en triathlon. Pour le patinage de vitesse, il y a Mathias Bosté, Maury Van Sevenant en cyclisme sur route, Michael Abazui en athlétisme. Mick Gorissen en athlétisme. Elle a le soutien du public. Elle est bonne partout. Elle a des records personnels. Franchement, on a fait ça tout Yam. C'est la personne qui a le plus de popularité. Vraiment. Naomi Vandenbroek en athlétisme. Nick Sellis en basketball. En hockey, nous avons Nicolas Descartel. En saut d'obstacle, nous avons Nils Breusnels. Alors, en aviron, il y a Nils. Nina Dorval en gymnastique artistique. Nina Strex en haltérophilie. En athlétisme, nous avons nous. Pauline Kukoit en athlétisme. Philippe Milanov en athlétisme. Raphaël Bogart en basketball. Les Red Lions!
Ouais, je vais dire la française, hein, mais c'est Red Lions! Ils ont été qualifiés! C'est une équipe de hockey, ils sont super forts. Respect à eux d'être qualifiés d'ailleurs, c'est parfait. Alors, Remco Evenepoel, cyclisme sur route évidemment. René Eekens en athlétisme. Rob Gies en cyclisme sur piste. Robin Hendricks en athlétisme. Robin Van der Banden en athlétisme. Alors ici, nous avons pour la voile le Sailing Team 49 FX Women. Sam Maas en ski alpin. Sami Chouchi au judo. Sander Gillet au tennis. Sarah Ertz en bobsleigh. Sabine Szebuk en snowboard. Sébastien Smith, snowboard. Simon Gougnard en hockey. Stijn Desmet en short track. Sébastien Hockey en hockey. Nous avons le tennis team double homme et dame. En basketball, nous avons Thibaut Vervoort et Thierry Marien. Dans la discipline du golf, nous avons Thomas Dutry et Thomas Peters, Thomas Van der Plaisten en athlétisme, Monsieur Binot en cyclisme sur route, Tim Brice en aviron, Tom Boone en hockey, Thomas Nikiforov en judo. Pour le triathlon, nous avons le triathlon team mixte relais et Valérie Barthélémy. En cyclisme sur route, nous avons Valérie Demey, cyclisme sur route. Nous avons Victor Rouigné en hockey. Vincent Vanache. Pour la voile, nous avons Wannes van Leer. Et alors, nous terminons avec Wout van Aert. At Wout van Aert, est-ce qu'on peut faire une parenthèse Wout van Aert, s'il vous plaît? Wout van Aert, il a fini deuxième sur la course d'hier, finalement. Donc, qu'est-ce que vous voulez dire de plus? C'est le triplé pour Wout van Aert! Ça y est, c'est la fin de la vidéo. Lâchez un pouce bleu, dites en commentaire quel athlète vous supportez. Et on se rejoint la semaine prochaine pour une autre vidéo. Ciao!